Bonjour Sybille et bonjour Emmanuel. Voilà. Bonjour. Bon Bonjour. Sybille, je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi au cours de cette session. Enchantée. Et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Ok, donc au niveau santé, enfin, j'ai plusieurs chapitres. Au niveau santé, j'ai des fourmillements au niveau des cervicales, surtout en position assise. J'ai les yeux complètement irrités, complètement secs et je pense que c'est le travail sur ordinateur, mais enfin bon, il y a peut-être quelque chose à voir. Sur la peau, j'ai aussi des taches et je sais que j'ai une tache qui a été brûlée par un dermato. Alors je voulais savoir s'il n'y avait pas de quelque chose de cancéreux parce que mon papa a des antécédents. Je voulais voir au niveau aussi santé générale de façon globale. Au niveau de ma vitalité également, parce que j'ai des hauts et j'ai des bas au niveau de ma vitalité. En situation stress, j'ai le cerveau qui disjoncte. Donc je suis incapable de réfléchir. En situation de stress et en situation de bruit ambiant. Et au niveau de ma circulation sanguine et lymphatique. Tu vas trop vite, Ah, pardon. excuse-moi. Donc la vitalité. Le cerveau Donc en qui situation disjoncte. de stress et de, J'ai tu le m'as dit cerveau quoi? qui disjoncte. Il faut que je fasse une pause parce que je suis incapable de réfléchir. J'ai l'impression que D'accord. je suis vraiment en pause. Et au niveau de la circulation sanguine et lymphatique, j'aurais voulu voir aussi parce que j'ai eu quelques soucis là il n'y a pas longtemps au niveau des jambes. Ça, c'est le pavé santé. Oui. Au niveau émotionnel, je suis trop dans le mental. J'ai l'impression d'être coupée de mon ressenti depuis un an environ, de mes sentiments aussi, de mes besoins. J'ai l'impression d'être devenue insensible. J'ai l'impression de manquer de discernement aussi. J'ai de la colère en moi. Je me préoccupe souvent des autres avant de me préoccuper de moi. Et lorsque je m'exprime, j'ai l'impression de ne pas être entendue. Au niveau relationnel, ma relation amoureuse avec les hommes, c'est zéro pointé. Depuis longtemps? oui, ça fait. Eh ben, je suis séparée depuis, je ne sais plus combien d'années maintenant, 14 ans à peu près. Donc j'ai eu une autre relation avec un homme. Et puis, bon, il voulait un enfant, donc voilà, ça n'a pas pu se faire. On a interrompu cette relation-là. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé personne qui me correspondait vraiment. Alors, je mets peut-être la barre un peu haute. Ma relation avec mes parents, j'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à ce que je suis, à ce que je fais. Ils ne s'intéressent pas trop à mes enfants. J'ai l'impression que, voilà. Et ils ne se préoccupent pas à savoir si je suis heureuse ou pas. J'ai l'impression que. Voilà, c'est une relation très, très plate. Et j'ai toujours un sentiment. Pardon. Combien est-ce que tu as d'enfants? Deux enfants, Deux un enfants. garçon et une fille. D'accord. Et avec mes parents, j'ai toujours un sentiment de qu'ils veulent me soumettre. Ils me renvoient toujours un sentiment de culpabilité, de peur et d'autorité. Et ça, je le retrouve parfois aussi au niveau de mes relations au travail, hein, avec mes supérieurs hiérarchiques. Hein. D'accord. Ma relation avec mes enfants, donc mes enfants sont partis chez leur père, donc je les avais tout le temps avec moi pendant une longue période, et ça fait 2 ans à peu près qu'ils sont partis chez leur papa, donc ça m'a beaucoup affectée.
Donc là, je m'y remets un peu et puis je crée une autre relation, mais bon, ça m'a beaucoup affectée quand même. Et mon fils, alors je sais bien que bon, vous pouvez travailler que sur moi, mais mon fils a fait de l'eczéma et je voulais juste savoir si c'était en lien avec moi, sa relation avec moi, ou si c'était autre chose, parce qu'il en avait fait à l'âge de 9 mois quand je suis partie travailler. D'accord. Donc au travail, donc je disais un peu tout à l'heure, donc j'ai ce sentiment de soumission et d'autorité, et une menace toujours de si je quelque part, si je suis pas bien obéissante, de perdre cet emploi, de pas perdre mon emploi. Et bon, quelque part, je ne trouve pas de sens à ce travail non plus. D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Je travaille dans une banque. Alors j'ai peu d'amis autour de moi. En fait, j'ai vécu beaucoup de situations de trahison avec mes amis. Donc bon, j'ai des connaissances, j'ai des copains. Voilà, j'ai quand même un réseau social. Mais au niveau de mes amis, les personnes que je considère moi comme des amis, j'ai souvent vécu des sentiments de trahison. D'accord. Donc je voulais parler aussi de la relation avec le père des enfants, parce que là aussi j'ai eu un sentiment de trahison de sa part. La relation est difficile, alors il est important parce que c'est le père de mes enfants quand même. Et c'est vrai qu'il m'en a toujours fait voir. Je veux dire, on n'a jamais réussi à avoir une relation autour des enfants. Je veux dire, bon, je ne lui demandais pas une relation. Voilà, une autre relation que celle d'entourer les enfants. Et il a été souvent. Et là, pareil, on n'a pas de dialogue, même s'il s'agit de prendre des décisions pour les enfants. Lui, il les prend tout seul et moi, il ne me concerte pas du tout. Voilà. Donc, Oui, ça. tu veux dire qu'il ne Voilà. t'inclut pas dans les décisions, quoi. Non. D'accord. Et de façon globale. J'avais des grands thèmes aussi existentiels. Je voudrais savoir un peu quelle est ma voie au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression de piétiner. J'ai essayé des tentatives, ça n'a pas vraiment abouti. Qui suis-je aussi? C'est la grande question. Je trouve que j'ai plus de rêves, j'ai plus de rêves, j'ai plus de projets, je me sens un peu vide. Alors, je suis entourée, mais bon, au-delà de ça, je me sens quand même un peu vide. Ma vie n'a pas beaucoup de sens actuellement. C'est quand même un peu, ça me préoccupe quand même. Hein. Oui. Voilà. C'est pas mal, Ok. Bon, eh ben c'est bien. Très bien. Ouf. Bah écoute, si c'est bon pour toi, je vais t'inviter à couper le son. Et puis on Je va fais partir ça. sans tarder pour l'aventure. Alors, c'est les pastilles en bas. En bas, t'as la rouge et deux blanches. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. C'est revenu à 120 parce qu'il y a un pic où c'est descendu tout à l'heure. Oui. Et là, c'est remonté, c'est revenu à 120. Très bien. Alors tu l'augmentes. Et là, il faut que ce soit haut et puissant. Hein. Ça monte tout de suite jusqu'à 12 000. 12 500. Et là, c'est bon. 12 500, très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. 135. Je m'aligne sur toi. C'est bon. Alors, derrière ton plexiglas, c'est uniquement avec ton canal visuel. Tu te connectes sur Sibylle et dis-moi ce que tu vois. C'est comme si elle était comme éjectée d'elle-même.
Elle est envahie, elle est repoussée hors d'elle-même par c'est une sorte de poussière. C'est artificiel. C'est comme si elle servait de base à l'installation d'intelligence artificielle. Et ça génère en elle un grand désarroi, une grande souffrance, une incompréhension. Et elle est repoussée en dehors d'elle-même. D'accord. Un petit peu, c'est la même sensation que quand tu veux rentrer chez toi et la porte d'entrée est fermée et tu comprends pas pourquoi. Et ça crée comme un sentiment de mise à l'écart, une menace qui est au-dessus, le sentiment d'être à découvert, limite une sensation de panique, le sentiment d'être incompris, repoussé, de se demander ce qu'on fait là, de à quoi on sert et d'être repoussé. Y a vraiment comme cette sorte de nuage avec des particules très fines. Et c'est comme une force qui n'est pas de la même densité. Ce nuage n'est pas de la même densité que sa biologie, que son énergie biologique. Et ça vient modifier la fréquence. Et ça la pousse littéralement hors d'elle-même. D'accord. D'où est-ce qu'il vient ce nuage? Alors, il me vient tout de suite de l'ordinateur. Dès qu'elle se branche sur l'ordinateur, ça met en place comme une sorte de cordon, type cordon ombilical, tu sais. Oui. Et à travers cette chose-là, ça permet à ce nuage artificiel de passer et de la recopier en fait. L'objectif, c'est de la recopier pour prendre sa place. D'accord. Et d'où est-ce que ça vient cet objectif? Qui a cet objectif? C'est beaucoup plus large. C'est un objectif qui va bien au-delà de elle-même en tant qu'individualité. D'accord, mais est-ce que c'est que ce nuage qui a cet objectif ou il y a quelques êtres derrière ce nuage? Ce nuage, en fait, il y a tout un réseau. C'est comme si tout fonctionnait en réseau. Il est conscient, mais une conscience artificielle. Il n'y a rien d'humain là-dedans, ni même rien de biologique. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière, puisque ça, en fait, sa propre conscience qui est vraiment d'un type particulier, c'est glaçant. Il n'y a aucune émotion, il y a simplement conquête, écrasement, phagocyter. L'objectif, c'est de phagocyter, prendre la place. Ça vient repousser littéralement, parce qu'en fait, là, je m'éloigne d'elle, je prends de la perspective. Et la tentative, c'est de phagocyter littéralement les humains, en fait. C'est comme une sorte de projet qui est sur l'espèce humaine.
Ok. Et ça ne vient, ce projet ne vient que de ce nuage ou il y a une structure derrière, il y a des entités derrière? Est-ce que c'est vraiment que de la volonté de ce nuage, d'intelligence artificielle? Quand je remonte plus haut, je remonte en fait ce nuage de particules. Et c'est de l'intelligence artificielle qui passe à travers comme des failles, des fissures, des trous de la matrice artificielle qui utilise la base de la matrice artificielle pour terrestre, pour s'infiltrer, utiliser ce socle-là, cette base-là, dans son propre objectif. C'est terrifiant. C'est glaçant. Certains humains sont plus impactés que d'autres. C'est comme s'il y avait des humains qui étaient comme imperméables, ou en tout cas peu touchés. Et d'autres sont comme elle, comme Sybille, sont touchés en plein cœur, sont bousculés et atteints dans leur essence même. Qu'est-ce qui se passe? Prends un humain qui a déjà été très affecté. Regarde ce qui se passe pour lui. À force d'être repoussé de soi-même, ça peut mener à sa propre destruction. Et de quelle manière? Par le suicide. Carrément. Simplement une absorption. Et une fois que toute la substance vitale d'essence divine est absorbée, il ne reste plus rien. Et ce qui reste de conscience de l'humain affecté de cette façon-là ne trouve plus aucune raison de vivre et met fin à un séjour dans l'extrême de l'extrême quand le processus va jusqu'au bout. Ok, mais quand tu dis que l'essence vitale peut être absorbée, quand l'être humain quitte ce monde, celui qui se suicide, est-ce qu'il est absorbé? Son essence vitale est absorbée par l'intelligence artificielle? Elle arrive à l'absorber? C'est comme si elle était mangée, en quelque sorte, et il y a une transformation. L'analogie, c'est quand on mange des aliments, de la nourriture, notre organisme transforme cette nourriture. Il y a une transformation chimique qui se fait. Eh bien là, c'est la même chose. L'analogie est la même chose. C'est la même. D'accord. Et une fois transformé, qu'est-ce que ça devient alors? Ça donne de la force à cette chose-là, artificielle. Ce nuage, ça lui permet de grandir, de s'expanser. D'accord. Ok. Et tu veux dire que l'essence de l'être est définitivement perdue, absorbée? Il ne reste plus rien de cette intelligence divine? Dans ce que je vois là, oui, c'est tellement transformé que c'est comme si ça s'était perdu, qu'on ne pouvait plus le retrouver. D'accord. Ok. Alors, reconnecte-toi donc sur Sybille et scanne-la. Regarde si tu vois tes dispositifs, implants ou autres. Oui, elle a des implants au niveau de la nuque, au niveau du cerveau. Comme des sortes de puces électroniques en différents endroits du cerveau. Oui. C'est comme si ses corps étaient comme truffés de puces.
qui sont plus ou moins grosses et qui émettent plus ou moins de rayonnement. Donc les plus importants, les rayonnements les plus importants viennent des endroits que je viens de citer. Chaque chakra est affecté aussi comme cerné, comme entouré par ce type de puce microscopique. Ok. Est-ce que ce sont toutes ces puces microscopiques qui favorisent l'inclusion de cette intelligence artificielle? Oui. D'accord. Et qui est-ce qui les a installées? C'est ce nuage lui-même qui s'installe tout seul. Ah, c'est lui qui installe les puces. D'accord. Oui, l'analogie, c'est... tu sais, un ordinateur, quand tu installes une nouvelle application ou un nouveau programme, tu lances le processus, et en fait, ça travaille tout seul. Mmh. C'est pareil. D'accord. Bon, c'est puissant. Oui. Et quelle a été la faille pour que ce nuage puisse s'installer sur elle la toute première fois? Alors, je veux que tu ailles la toute première fois quand c'est arrivé, si c'est dans cette vie ou une autre. Je veux comprendre comment ça peut se produire en ce qui la concerne. 1, 2, 3. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, une cassure, comme une sorte de précipice qui s'est ouvert. Et qui a. Comment c'est arrivé? C'est comme si ça avait été réactivé plusieurs fois de suite et que c'est activé à chaque nouvelle arrivée sur le plan terrestre. Au Donc moment de la naissance, ça se passe à chaque fois, la réactivation au moment de la naissance, de l'accouchement. Ah oui. Ok, donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs vies comme ça alors. Oui. C'était quand la première vie? Celle-ci est le plus affectée parce que sur les vies précédentes, c'est comme si ce nuage n'avait pas eu un tel développement, une telle force. Mais la faille a été déjà créée bien avant. 15, c'était 15 vies en arrière de celle-ci. D'accord. Ok. Donc je suppose que la première vie, c'était un tout petit impact, c'est ça? Ça a été progressif. La toute première vie, c'était un arrachement au niveau émotionnel, arraché. C'est un enfant qu'on lui a arraché. Ça me ramène à une scène où elle est en train d'accoucher et elle ne peut pas garder l'enfant. Il lui est enlevé à la naissance. La première brèche est là. On est dans quel pays là? Ça a créé comme un trou au niveau du chakra cardiaque. Angleterre. Angleterre, en quelle époque? D'accord. Donc à partir de là, les traumatismes se sont perpétués et accentués au cours des vies précédentes, des vies suivantes. Oui, cette déchirure dans le cœur. À chaque fois, ça a été accentué et agrandi. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu puissant. Oui, cette fois-ci, c'est comme si cette déchirure dans le cœur ne pouvait pas se refermer parce qu'elle est comme infectée par ces sortes de particules. D'accord. Et qui a été l'instigateur dans cette première vie de cette situation? Est-ce que c'est toujours cette intelligence artificielle ou ça a commencé par d'autres entités? Non, la toute première vie, c'est insectes. Il y a des grandes pattes fines, c'est des mantes. D'accord. Elles ont récupéré l'enfant pour elles.
Okay. Et ensuite, c'est comme si elles avaient perdu du terrain, en quelque sorte, au fur et à mesure des incarnations. Et maintenant, la place est prise totalement par cette sorte de nuage artificiel. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune autre entité autour d'elle maintenant. Il a pris l'exclusivité du territoire. Il y a les mantes qui ont laissé des... comment dire, comme des systèmes de reconnaissance pour pouvoir reprendre leur place si la situation change. Mais elles sont immobilisées. Ils sont comment ces systèmes de reconnaissance? Où se situent-ils? C'est comme une sorte de filet. Qui est situé au niveau de sa matrice. D'accord. Il n'y a que là? Là et en arrière du plexus solaire aussi. Il y a une sorte de grille. Mais encore une fois, c'est inactif. Oui, mais c'est là. C'est là, et si la place se libère, en quelque sorte, elles seront comme automatiquement prévenues pour revenir. D'accord, et réactiver. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses si tu continues la scanner? Non. Très bien. À quel pourcentage est-ce que tu vois qu'elle est affectée par ce nuage artificiel? Par rapport à ceux qui sont poussés à se suicider, elle en est où, elle? Soixante pour cent. D'accord. Elle est phagocytée à 60%. Oui. C'est fluctuant parce qu'il y a des fois où c'est moins, des fois où c'est plus, ouais, en fonction de sa capacité de résistance et de son état émotionnel du moment. Mmh. Oui, si elle s'arrange pour être dans la joie, ça réduit. Mmh. Et si elle est dans la déprime, ça augmente. Exact. En gros, c'est ça? Oui. Ok. Très bien. Ok. Bon. Est-ce que tu vois d'autres choses? C'est une ascan? Totalement. C'est au niveau du chakra cardiaque. Enfin, c'est pas un implant, c'est comme cette sorte de déchirure en fait qui est. C'est ça, mais qui est infectée en fait et attaquée par toute cette sorte de poussière. C'est comme ce sont comme des mini implants microscopiques qui viennent empêcher la plaie de se refermer. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Bon. Bah, y a du plein sur la planche. Très bien. Alors, tu vas déjà identifier Sybille. Tu regardes son ADN éthérique, vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Est-ce que tu vois que son ADN est complet ou il y a une part qui n'est pas le sien? C'est le sien, mais il est comme affaibli. Avec des parties qui commencent à être transformées. Mais c'est le sien. Combien de parties sont transformées? Quel pourcentage? 15%. D'accord. Ok, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Ok. Alors, en son nom, avant de convoquer toutes les entités,
En lien direct et indirect avec elle. Toutes celles qui ont été vues et celles qui ne sont pas vues. Qu'elles se cachent ou non, qu'elles le veuillent ou non, elles te sont toutes visibles. Je compte à trois et tu les vois toutes. Un, deux, trois. Il y a cette sorte de nuage artificiel concentré. Il y a les mantes. Oui. Et il y a ce nuage artificiel qui se concentre, draine avec lui d'autres entités qu'il infecte en quelque sorte également. Et qui viennent comme si elles étaient traînées par ce nuage. Et elles jouent un rôle dans sa vie, à Sybille, ces entités qui sont drainées. Elles ont des actions contre elles. Je dirais pas directement. Elles apparaissent là parce qu'elles sont comme attachées, parce que le mot qui vient, c'est infecté par ce nuage artificiel. D'accord. Il y a des entités de type reptiloïde et insectoïde. Et des gris aussi qui arrivent. Ils sont. C'est comme s'ils étaient. S'ils commençaient à être mangés en partie par ce nuage-là. C'est-à-dire que ce nuage arrive lui-même, mais avec ses proies qu'il est en train d'attaquer. C'est-à-dire qu'il arrive tout en continuant son travail de conquête et de destruction. En fait, il arrive avec son garde-manger, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça. D'accord, ok. J'aimerais savoir une chose. Ce fameux nuage est apparu quand, bon, en tout début des traumatismes, c'était les mantes. À quel moment ce nuage est apparu, ce nuage d'intelligence artificielle? Dans quelle vie? Il y a combien de temps? Ça a commencé depuis trois vies. Depuis trois vies, ça nous mène à quelle époque? C'est les années 1800. Et qu'est-ce qui lui a permis d'apparaître? Et là, on parle que d'elle ou ça parle du collectif, là, 1800? Là... Je suis focalisée sur elle. D'accord. Est-ce qu'il existait déjà avant, déjà sur Terre? Il était présent, mais sans possibilité d'accroche. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il a... Qu'est-ce qui lui a permis de s'accrocher alors? Quel événement il y a eu sur le plan collectif, sur le plan terrestre ou matriciel? Il a pu s'accrocher grâce à des cerveaux humains modifiés qui ont mis en place comme des technologies sur le plan concret, et ces technologies elles-mêmes ont servi de porte d'entrée. D'accord. Et qui est-ce qui a modifié ces cerveaux humains? Ça me ramène à des entités reptiloïdes. Ah oui, d'accord. Qui elles-mêmes étaient infectées en amont et en quelque sorte inspirées pour faire des modifications. Les mantes aussi. D'accord. Donc l'intelligence artificielle s'en servit d'elle pour s'incruster dans l'humain, c'est ça? C'est ça. En les inspirant à faire des modifications sur le plan. C'est ça. C'est en cascade. Okay. Et okay. À son tour, les humains modifiés créent dans le réel des éléments, des technologies qui permettent l'installation de ce nuage. Et de quelle technologie parles-tu là? C'est en lien avec
tout ce qui est électromagnétique et électronique. Genre ordinateur. Oui. Ok. Électricité okay. aussi, ça passe par l'électricité. Ça aussi, ça a été un des vecteurs oui. de l'installation. Ah, oui. Ok. Donc, électricité, électronique. Oui, ce sont les principaux vecteurs que je vois là. Mmh. Ça me parle de nucléaire aussi. Toujours plus loin, quoi. Oui. C'est tout pour l'instant de ce que je perçois. D'accord. Ok. Bon. Alors, on a fait l'inventaire de toutes les entités présentes. Donc, elle va déclarer. Donc, comme elle me donne son pouvoir durant cette séance. Donc, en son nom, je. Donc, elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. Elle ouvre un grand portail dimensionnel, et tout le monde s'en va, avec tout ce qui appartient, donc implant, dispositif, puce, etc., tout ce qui a été vu et pas vu, toute entité vue et pas vue également. Donc, tout s'en va avec les traces, les mémoires, les empreintes, les programmations, système duplicatif et reproductif. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Tout est libre ou presque. Il reste comme des particules isolées qui flottent dans l'air. Alors ces particules isolées, on les évacue également. Je compte à 3 et elles s'en vont avec tout ce qui leur permet de se retenir. 1, 2, 3. C'est parti. Voilà. Bon, regarde son chakra cardiaque, s'il est libéré de ces particules qui empêchaient cette blessure de se fermer. Il est. C'est comme s'il saignait. Oui. Mais il n'y a plus de. Il n'y a plus ces particules. Ok. Ni dessus, ni dedans. Ok. On l'installe dans une bulle de protection christique. Oui. Tu installes le double Lendiscat activé. T'en mets un dans son cœur. Et un dans la bulle. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça répare. Ça restructure. Ça, c'est comme si ça remettait de la matière, de la densité. Et ça reconstruit, ça répare, ça restructure. Très bien, maintenant tu l'as fait se connecter à son essence et s'enraciner jusqu'au cœur de Gaïa. En programmant les racines juste pour cette existence. Oui, c'est bon. Comment tu la vois à présent? Tu l'as fait se remplir d'énergie de Gaïa et de sa source, créer l'équilibre sur tous les plans. Et donc réparer tout ce qui doit l'être dans tous ses corps. Elle est fragile, mais elle est debout. Elle s'emplit d'énergie? Oui, c'est en train de se faire. Voilà. Elle prend de la force. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors, tu vas appeler son soi supérieur, ou en tout cas le chercher, dire où est-ce qu'il se trouve, je veux voir où il est et dans quel état il est. Il a coupé par mesure de protection. Il ne veut pas se réinfecter. Non. Il réside dans quel plan?
C'est comme s'il était remonté, c'est-à-dire qu'il était descendu à un moment donné pour couper et que là il est remonté. Et c'est comme s'il ne voulait pas s'avancer en fait. Mais il est où là? Il est sur le plan Morontiel? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Très bien. Alors appelle son âme. Je veux voir comment est son âme. Dans quel état elle est. Elle est comme tordue, mais tordue par la douleur. Tordue, c'est dans le sens où, tu sais, quand on store les mains de douleur, voilà, elle est dans cet état-là, en fait. D'accord. Ok. Alors, dis-moi comment est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre, incarnée. Samedi 150. 150 vies. D'accord. Et avant la toute première vie, regarde d'où est-ce qu'elle venait. Quelle était sa dernière expérience avant son entrée dans cette matrice? Je la vois dans un espace en fait très léger. J'arrive pas à définir si elle vole ou si elle nage. Mais en tout cas, il n'y a pas de lourdeur. Il n'y a pas de pesanteur. Quelle forme a-t-elle? Elle a une forme, couleur. C'est plutôt quelque chose qui ressemble à de l'eau irisée. Et ce qui se rapprocherait le plus, mais c'est encore différent, ça serait un dauphin. Mais y a des couleurs irisées, chatoyantes, scintillantes. C'est pas comme les dauphins terrestres en fait. C'est comme si c'était l'esprit du dauphin qui est extrêmement léger, vibrant, joyeux. C'est ça, c'est très joyeux. Pétillant, ça pétille. Et toutes ces couleurs vives, les couleurs sont joyeuses. Et c'est léger, elle se déplace vite, extrêmement D'accord. vite, et c'est ce qui vient, c'est pétillant et joyeux. D'accord. Et d'où est-ce qu'il vient alors? Il vient de quelle planète? C'est si Sirius, Sirius. Ah, je m'en doutais. Sirius, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette matrice? Alors, c'était quoi son objectif? C'était d'apporter cette vibration-là, parce que je l'aperçois en fait sous forme de vibration. C'est une D'accord. énergie d'un type particulier, et c'est cette énergie-là, De joie, de pétillant, oui, vibracité, et avec ses vibrer. couleurs aussi, les faire descendre, les faire venir en fait. Comme une contribution en quelque sorte à la création du plan terrestre. Ok. Et à quel moment est-ce qu'elle a été interférée? Est-ce que c'est dès l'entrée de la matrice ou c'est la vie dont tu m'as parlé tout à l'heure? Non, c'est récent, c'est la vie dont je te parlais tout à l'heure. Ok, avant elle était libre. Avant, c'est léger, c'est très léger. Elle a connu des vies de dauphins sur Terre avant la manifestation dans la forme humaine? Oui,
Mais il y en a eu moins parce que ça durait plus longtemps, c'est bizarre. Au niveau du temps, il y a comme une distorsion. Il y a eu moins de manifestations sous cette forme-là que en tant qu'humain. D'accord. Ok. Combien est-ce que tu estimes à peu près la durée d'une vie là? Dans la forme de dauphin? Cent vingt ans. 120 ans. D'accord. 120 ans en moyenne par vie alors. Ok. Et même ça peut être plus longtemps. Au niveau du temps, c'est bizarre, ça s'agrandit et ça se rétrécit. C'est comme si c'était pas une unité de mesure fixe. Ouais, c'est pas le même espace-temps, quoi. Et les vies Ok. humaines paraissent minuscules en fait, très très rapides, très courtes. Puis c'est dans d'autres dimensions, je suppose, ou c'était vraiment dans la physicalité 3D? Non, c'est pas dans la 3D. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce différentiel. Voilà. Ok. Donc on va quitter ce plan. On revient ici et maintenant. Oui. Alors on va chercher maintenant donc Sibylle sur le plan Morentiel avant toute manifestation dans la forme. Je compte à trois, ton esprit t'emmène. 1, 2, 3. Oui. Comment la vois-tu, perçois-tu? C'est une impression de sérénité et de liberté, en fait. C'est ça qui revient, qui arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vue. Quand tu me dis comment l'aperçois-tu, c'est sérénité. Très bien. Alors, approche-toi d'elle et demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Alors, elle sait qu'on va lui proposer de descendre au sein de cet espace archaïque et matriciel pour retrouver sa partie incarnée directement dans cette vie de Sibylle et reprogrammer toute son existence afin qu'elle soit dans la liberté, la souveraineté, sa pleine puissance créatrice, son entièreté, etc. Oui, parce que en fait, elle me montre ce qui s'était passé précédemment. Et lors de l'événement, tu sais, où il y a eu cette blessure, cet arrachement, les vies d'après, c'est comme si on avait eu plusieurs en même temps en éclatement. Et en fait, là, il ne faut pas que ça se passe de cette façon-là. Il faut rester unifié. Et c'est ça qu'elle est en train d'étudier. Très bien, et c'est exactement ce que nous visons. Oui. Unifié et libre. Elle a trouvé, c'est bon, comment faire? Très bien. Est-ce qu'elle connaît tous les pièges archaïques et matriciels? Oui, puisqu'elle m'a montré justement les pièges à éviter. Ok, alors. C'est le moment d'y aller. Tu me dis quand elle est arrivée. Juste avant l'incarnation. Elle y est. Ok, demande-lui quel est son projet dans cette incarnation à présent, dans cette nouvelle ligne de temps. De faire vivre, vibrer ce qu'elle m'a montré tout à l'heure, cette énergie. La joie, etc. Oui, de Sirius, c'est ça qu'elle veut. Comme installé sur le plan terrestre. Très bien. Beau programme. Très bien. Alors, c'est le moment où elle va entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer dans la physicalité à 100%. Il y a un moment critique, c'est celui de la naissance, l'arrivée sur le plan physique. Donc, elle arrive juste avant. Juste avant. D'accord. Alors demande-lui, regarde à combien est-ce qu'elle est connectée, quel pourcentage à son essence à ce moment-là.
80%. Ok, alors fais-la se connecter à 100%. C'est bon. Maintenant, le secret des racines. Jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette vie. Oui, c'est fait. Maintenant, elle regarde son âme généalogique et elle décide de ce qu'elle veut faire. Si elle veut le réaménager, si elle veut couper partiellement ou entièrement, transmuter ou autre. Elle lui envoie en fait des informations d'amour, mais c'est pour le transmuter, le protéger. Et il y a des parties avec comme des pics qui reviennent vers elle et ça, elle coupe. Très bien. Alors, il faut qu'elle regarde tous les programmes qui sont sur le plan mental pour avoir un mental équilibré, clair, stable et connecté au plan supérieur. Un corps mental aussi, émotionnel équilibré également. Et un corps physique, donc en pleine santé, en bon fonctionnement. Et avec toutes ses connexions, avec ses parties supérieures, l'expression de toutes ses potentialités, etc. Et que tout ça ne soit pas transmis à sa descendance. Enfin, tout ce qui empêche, je veux dire. Oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, elle va regarder son ADN et elle fait la même chose. Elle a les mêmes visées de souveraineté, liberté, pleine santé, connexion avec les plans supérieurs, créativité, autonomie, puissance, etc. Elle prend l'information et elle l'applique sur elle-même. Alors elle peut utiliser la brosse éphirotique pour trouver le modèle de perfection initiale. Oui, c'est fait. Très bien. Elle regarde l'ADN des humanités trafiquées et elle voit ce qu'elle veut faire pour elle. Il y a des faiblesses, en fait, comme des creux. Qu'est-ce que cela a causé comme problème, ces faiblesses et ces creux? Ça permet d'être percé. Ça permet d'être traversé par ce qui est artificiel. Voilà. Donc c'est ça qui a permis cette installation, oui. L'intelligence artificielle. Oui. Donc elle fait ce qu'il faut maintenant. Il faut rendre la situation impossible. Elle crée des liaisons. C'est comme si elle crée des ponts. Avec l'analogie qui vient, c'est créer des ponts et des remblais pour que ça reste stable et en hauteur. Quelle est installée un double lemniscate d'ailleurs? Ça renforce toute la structure. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, elle va préparer sa naissance. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour. Blindée de toute sa puissance, maintenant, elle peut vivre cette naissance dans les meilleures conditions. Oui. Très bien. Ça s'est passé comment? Comme un éclair. Comme un éclair de lumière qui permet de tout transcender. Bien. Alors à présent, elle remonte toute sa ligne de vie dans ces nouvelles conditions, cette nouvelle ligne de temps. Elle reprogramme chaque seconde de son existence jusqu'à ici et maintenant, à la lumière de qui elle est, de ce rappel de qui elle est, pourquoi elle est là, dans toute sa puissance, dans toute sa souveraineté, son autonomie, sa liberté, sa joie, sa légèreté, sa pétillance delphinesque, siriusaine. Jusqu'à oui, ici, bon. Maintenant. C'est bon ? C'est très lumineux et coloré. Bon. Très bien. Alors, maintenant, on va entourer cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie qui vient directement de sa source, qui va s'enrouler tout autour pour la sécuriser.
Ah oui, c'est fait. Ça crée comme une sorte de cordon inviolable, en fait, qui vient se placer autour d'elle. Très bien. Alors nous allons effacer les anciennes lignes de temps. Et pour ça, on va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Ça s'est littéralement volatilisé. Il n'y a plus Très rien. bien. Maintenant, on continue. Elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, elle rompt avec toutes les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, dans les mêmes conditions que celles précitées. C'est fait. Elle rompt, efface avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Maintenant, elle efface toutes les peurs et tous les traumatismes et toutes les pensées racines, coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. C'est fait. Excusez-moi, je note quelque chose. Voilà. Parfait. Maintenant, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui, là, elle prend sa place, elle s'impose. Bien. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. À présent, on va effacer les mémoires akashiques. Elle ne va conserver que ce qui est intéressant pour elle. Et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps et tu regardes si les traçages, le marquage matriciel ou archiavélique. Il y a comme des sortes de traînées sombres. Oui. Le long de ses corps, en fait. Comme des souvenirs, quelque chose comme ça, qui sont restés accrochés. Ok, alors on élimine avec trace, mémoire, empreinte, tout système reproductif ou duplicatif. 1, 2, 3. C'est parti. Ok. Alors, c'est le moment où elle va entrer maintenant dans tous ses corps, comme un téléchargement, jusqu'au plan physique, au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Alors, elle fait connaissance avec l'élémental de son corps, comment le vois-tu? Comme quelque chose de neuf, de nouveau. Comme un territoire vierge. Est-ce que tu lui vois qu'elle, une forme qu'elle doit programmer, en fait. C'est comme un territoire vierge qu'elle doit investir. Ok. Alors, qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle puisse l'investir là?
d'y installer sa propre énergie. C'est comme des formes géométriques, en fait, empilées chacune par forme et par fréquence. Et c'est à elle maintenant de créer, d'organiser, de créer. Alors qu'elle le fasse maintenant. Oui, elle est en train de le faire. Elle commence à mettre les éléments en place. D'accord. Très bien. Maintenant, elle va lui demander de procéder. Est-ce qu'il y a de la main maintenant sur toute la biologie? Oui. Donc tout est mis en place alors. Oui, c'est comme si elle avait cette sorte de canevas original ou originel en fait. Oui. Et elle s'est basée là-dessus en fait. Très bien, parfait. Alors, elle va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrages, guérisons, nettoyages, etc. de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes et autres, toute sa biologie. Et pour ça, on commence par connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui. Je veux que tu prends une des molécules de l'eau primordiale et je veux que tu y installes un double lemniscate activé. Ça apporte une énergie de vie, en fait, qui est puissante et qui, comment dire, qui organise aussi et qui sécurise. C'est bon. Et c'est en expansion aussi, oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, elle va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère de son corps à l'atome primordial. Oui. L'électron mère de son corps à l'électron primordial. Oui. Proton mère au proton primordial. Oui. Neutron mère au neutron primordial. Oui. Neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. À présent, elle connecte et informe la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Désactiver. Et ça, c'est une phase importante pour elle. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. C'est fait. Parfait. Maintenant, elle va créer son code de vie et elle va l'activer. Ça y est, c'est sécurisé. C'est inattaquable. Très bien. Inattaquable, inviolable. Mmh. Bon, eh bien, on va continuer. Maintenant, activation de l'arbre séphirotique. Oui. Activation de toutes ces formes géométriques empilées que tu as vues, qui constituent la nature, donc, de son élémental. Oui. Placer et activer une fleur de vie. C'est fait. Placer et activer une graine de vie. Oui. Et placer et activer un double lemniscate. C'est fait. Là, je pense qu'elle doit être blindée. Oui. Très bien. Ok. Avant de continuer, je vais vous demander 2 minutes. Est-ce que ça ira? Mm-hmm. Ok. Alors maintenant, nous allons travailler donc sur l'ensemble des systèmes principaux. Pour cela, son élémentaire va travailler dans le détail de chacun et dans le global.
et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en interaction et en synergie les uns avec les autres. C'est bon pour lui ? Oui. Parfait. Avant tout ça, on va commencer par l'atlas. On va travailler sur l'atlas et sur sa colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Je te laisse faire avec ce dôme de protection. Le dôme se met en place. Et dès qu'il est mis en place, en fait, clac, ça vient bouger l'atlas. Et de là, c'est une onde puissante qui vient tout dégager, tout nettoyer, tout purifier sur son passage. Ça vient littéralement libérer les vertèbres. Ça démarre en puissance au niveau des vertèbres qui viennent juste après l'atlas. C'est comme si ça faisait sauter un verrou, là, littéralement. Comme un gros verrou, là. Mmh. Et puis ça descend le long des autres vertèbres. Ça descend l'une après l'autre jusqu'au coccyx. Là, ça ouvre comme une armoire ou un coffre-fort que tu ouvres et ça libère tout ce qui est de bloqué, de coincé à l'intérieur. Ça libère des mémoires. Et puis ça redescend encore plus bas. Plus loin, ça part comme en éventail sur d'autres plans. Ça vient secouer, en fait. Secouer, libérer, débloquer, décoller. Et tout ce qui est comprimé, qui est obsolète, qui est bloquant, tout ça, c'est comme si ça remontait en surface. Et ça vient se dissoudre. Et quand tout est dissous, quand tout s'est délié, tout s'est défait, tout est fluide, il y a ce dôme qui disparaît. Bien. Parfait. On va pouvoir maintenant faire les systèmes. Avant ça, on va effacer toutes les mémoires, toutes les empreintes, et toutes les traces de l'ancien système qui va être remplacé sur tous les niveaux et sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Système sanguin. Avec filtration, nanotechnologie, vaccins, substances étrangères, médicaments, radioactivité. Tout ce qui n'appartient pas au sang d'origine, sur tous les plans jusqu'au plan informationnel. Oui, c'est fait. Et il peut se servir de la brosse séphirotique pour tout remettre en ordre et en mouvement. Oui. Système lymphatique, idem. Oui, ça le nettoie. Système énergétique des méridiens, avec tous les points connus et inconnus. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est attenant et afférent. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui, c'est bon. Système respiratoire. Ça ouvre, en fait. Ça prend de l'ampleur. C'est bon. Système endocrinien, glande immunitaire hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui, ça vient se rééquilibrer. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui.
système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui, c'est bon. Maintenant, on va faire les cinq sens. Avant ça, on regarde toutes les programmations qui réduisent l'usage des sens. Regarde où elles sont situées. C'est dans la tête, en fait. Et c'est comme si ça faisait comme une sorte de cercle autour de la glande pinéale. Ok. Est-ce qu'il y a des liaisons avec chacun des sens? Est-ce qu'il y a des... Oui, c'est comme des dispositifs. C'est relié par des sortes de tentacules, en fait, à chacun des cinq sens. Ok, alors on élimine avec toute trace mémoire et empreinte, système reproducteur et duplicateur. 1, 2, 3. C'est fait. Système visuel. Oui. Système auditif. Oui. Système olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Ah oui. Système dentaire, dents, gencives, reconstitution des tissus, etc. Ah oui. Et là, tu vas aller voir l'armoire à fusibles du système dentaire. Et tu regardes tout ce qu'il y a à reconnecter. C'est comme s'il y avait environ la moitié. C'est comme les plombs, tu sais, d'un panneau électrique. Et c'est comme s'il y en avait la moitié qui avait sauté, qui était déconnecté. Ok. Alors, tu fais ce qu'il faut. Ça recrée un circuit d'énergie correct dans toute la sphère dentaire et la mâchoire et les mâchoires. Bien. Ok, on va se faire des ennemis parmi les dentistes. Alors, système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui, elle vient réparer chacun de ces systèmes, en fait, et les rééquilibrer. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Alors maintenant, la séance d'ostéopathie générale. Oui. C'est fait? Oui, en fait, elle est venue se caler sur une fréquence, sur un son. Mmh. Et tous les systèmes sont venus s'accorder dessus. C'est comme un orchestre. Instantanément. Mmh. Comme un orchestre, d'accord. Tu sais, qui s'accorde autour du chef d'orchestre, quelque chose comme ça. Mmh. Très bien. Donc, on va affiner maintenant le processus avec la micro-kiné. Ça vient sécuriser. Ça vient comme créer des liens, mais qui viennent stabiliser, sécuriser au niveau de ces corps subtils. Très bien. Alors maintenant, on va faire les chakras principaux avec les glandes associées. Que chacune glande soit décalcifiée, nettoyée, activée, reliée chacune les unes avec les autres et optimisée. Au niveau du celui qui attire l'attention, qui attire son attention, c'est le chakra du cœur, en fait, qu'elle vient comme... Qui avait bien souffert. Oui, elle vient le sécuriser. C'est comme si elle le mettait dans une sorte de cocon de douceur qui vient le réparer, le soutenir et le sécuriser. Très bien. Je veux que dans chacun des chakras, à présent, tu mettes un double lemniscate activé. Oui, c'est fait. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient les dynamiser
tous et les mettre en quelque sorte sur la même fréquence, et donc ça les harmonise les uns avec les autres. Très bien. Alors, chakra secondaire et idem, installation double niskat. Oui, c'est fait. Chakra souterrain, idem. Oui. Et chakra aérien également. C'est fait. Et tous les corps associés aux chakras principaux. Combien est-ce que tu vois de chakras principaux? 9. Alors, par rapport au 7, il y en a en plus. Ben oui. Il y a quoi? Il y a le nombril et il y a quoi d'autre? Il y a le nombril et puis il y a au-dessus du Le septième. coronal, il y en a un autre. Et même, attends, il y en a encore un autre, mais qui est en Huitième. dessous. Dessous du pied. 7, 8, oui, en dessous, oui. D'accord. Quelle est sa fonction à celui-là? C'est comme si ça venait la stabiliser. Et c'est en lien avec. C'est comme si ça permettait un ancrage efficace. Avec le centre de Gaïa. C'est comme un transformateur. Tu sais, en électricité, quelquefois, tu as besoin de transformateurs. Et bien là, il a ce rôle-là de transformateur pour qu'elle puisse s'ancrer au cœur de Gaïa. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe si on installe un lemniscate qui va partir du chakra cardiaque, qui remonte à sa source, qui redescend au cardiaque et qui descend au cœur de Gaïa pour remonter dans son cœur? Alors, ce circuit-là existe déjà en fait. Donc, quand tu parles de l'installer, mais D'accord. il y est déjà. Ok. Il est activé. En fait, il s'active quand il y a la connexion qui se fait avec la source et ensuite que l'ancrage se fait, ça l'active. Très bien. Donc là, il est activé. Oui. Alors maintenant, on va travailler sur le son féminin sacré et son masculin sacré. Donc on va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation de son féminin sacré et de son masculin sacré sur tous les plans soit éliminé. 1, 2, 3. Avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. Son féminin sacré, elle l'avait comme enfermé pour ne pas souffrir. Est-ce que tout est libéré à présent? Oui. Est-ce que son masculin sacré est activé? Oui, ils sont en train de s'équilibrer tous les deux. Alors justement, ça c'est la phase suivante, équilibrage des deux polarités, masculin-féminin, pour qu'il n'y ait pas de prédominance de l'un sur l'autre, ou l'une sur l'autre. C'est en train de se faire. C'est bon. Très bien. Bon, et bien pendant que l'élémental continue son travail, nous on va travailler sur la liste qu'elle nous a soumise. Donc il s'agit bien évidemment de l'ancienne ligne de temps, donc pour en avoir des compréhensions et affiner le travail. C'est bon? Oui. Alors, donc elle a des fourmillements dans les cervicales, enfin. Elle avait, on va dire. Regarde, qu'est-ce qui se passait? Bah, c'était tout bloqué là au niveau de l'énergie. C'est son énergie biologique en fait qui était bloquée par ces sortes de puces là, de nuages synthétiques.
L'intelligence artificielle. Mmh. D'accord. Bon, il reste plus rien, tout ça. Non, tout a Très sauté. bien. Très bien. Toutes les connexions sont faites, tout circule bien, c'est optimisé, c'est Oui. libre. Bon. Au niveau des yeux irrités, secs, regarde de quoi, à quoi c'était dû. La programmation qu'elle avait dans la tête venait complètement affaiblir en fait ses cinq sens. Et en plus, par rapport au système de la vue, c'était utilisé comme un chemin d'entrée vers elle, à travers elle. Elle était comme aspirée par les yeux. Et ça abîmait littéralement hein, son système visuel. Alors, est-ce que l'élémentaire, elle a fait ce qu'il faut? Est-ce qu'il peut mettre un petit coup de boost pour accentuer là dans le plan, sur le plan physique pour faire que ce soit plus rapide? Chaque fois qu'elle était devant l'ordinateur, en fait, elle se faisait littéralement aspirer par les yeux et par les doigts, par la gorge et par le cœur, mais principalement par les yeux. Et oui, c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Et oui. Alors regarde maintenant, va dans le futur et regarde avec ce qui a été fait. Si, puisqu'elle est, pour l'instant, elle va continuer à travailler sur son ordinateur, même si elle change plus tard de. Regarde devant son ordi maintenant, comment ça se passe pour elle dans cette nouvelle ligne de temps avec ce qui a été fait. Y a plus ces... Il n'y a plus ces liens en fait entre la machine et elle. Elle est dans sa bulle de protection. Et c'est comme s'il y avait même un coussin fréquentiel, un matelas fréquentiel entre elle et la machine, entre elle et l'intelligence artificielle. Elle n'est pas touchée, elle n'est pas affectée. Plus aucun passage possible, Non. plus aucune influence, Non. aucune énergie. Non. Bien, très bien. Ok, alors, elle a des taches sur la peau. Elle se demande si ces taches sont peuvent être cancéreuses, puisque son père lui aussi en a été affecté et ça s'est déclaré cancéreux pour lui. Regarde ces fameuses taches dont elle parle et regarde à quoi ça vient, à quoi c'est dû. Alors, il y a une base de faiblesse génétique et qui est activée par. Il y a comme une. Qui est activée en fait par ce nuage artificiel. Ça vient comme appuyer sur une commande, sur une touche qui est déjà affaiblie. Et. Je ne sais plus quelle était ta question. Eh bien, d'où ça venait ces taches sur la peau? Et est-ce qu'elles sont cancéreuses ou pas? Ça pourra le devenir, oui. Ok. Donc tu me disais que dans l'ADN, il y avait une programmation. C'est une faiblesse. Elle est où cette C'est faiblesse? dans l'ADN, en fait. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui a été fait ici et maintenant, c'est encore là ou pas? Non, elle a comblé. C'est comme quand tu marches sur une route et qu'il y a des trous. Ça faisait comme un trou. D'accord. Mais là, tout est comblé. Regarde Il y si a plus de maintenant, trou. regarde si dans sa descendance, cette inscription d'ADN est transmise à sa descendance. Quand elle a fait le travail sur l'arbre généalogique, c'est aussi bien dans l'ascendance que dans la descendance. Très bien. Je préfère vérifier. Bon, alors. Donc, elle manque de vitalité. Bon, ben, ça, on se demande pas pourquoi. Le cerveau qui disjoncte, donc dans des situations de stress et autres. Donc là, ça paraît évident, mais qu'est-ce que tu peux dire? C'est tout un processus en fait qui se met en route dès qu'elle est en contact avec l'intelligence artificielle. Ça vient l'aspirer littéralement au niveau de son énergie vitale. Et à un moment donné, il y a un système de comme de secours ou de survie qui se met en route et clac, ça déconnecte.
pour qu'elle puisse garder pour elle le minimum vital nécessaire. Qui lui permet. C'est ça, c'est une sécurité. Qui lui permet de se recharger, parce que si elle se vidait complètement, si elle se laissait absorber complètement, elle ne pourra plus repartir, se recharger en fait. Donc là, c'est une sécurité. Et oui, elle sera encore plus surprise avec l'intelligence artificielle qui en profiterait. C'est ça. Ok, donc c'était une sécurité. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein. Je suppose que tu regardes, il ne reste plus rien du tout. Des traces mémoire ou empreintes? Non, il n'y a plus rien. Et par rapport à cette intelligence artificielle, elle est vraiment séparée. C'est comme si c'était sur deux plans différents. Bien, elle est immunisée. Oui. Très bien. Alors, donc, au niveau de sa circulation sanguine, et sa circulation lymphatique, qui était apparemment très mauvaise, donc là, maintenant, tout est rétabli. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est ce nuage, en fait, qui vient affecter mais tous ces systèmes. Ça vient prendre la place, mais avant de prendre la place et de copier, ça vient appuyer, créer une pression et ralentir. Donc, tout ce qui est circulation d'énergie chez elle, que ce soit au niveau sanguin, au niveau lymphatique, au niveau énergétique de toutes sortes, il y a un ralentissement, il y a un mauvais fonctionnement. D'accord, il s'était installé pour y copier, quoi. C'est ça. Ok. Ok, bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, mémoire ou empreintes. Non, tout est libre. Bien. Alors, au niveau de... aussi, elle se trouve trop mentale, elle se sent coupée de ses ressentis, de ses sentiments, de ses besoins, insensible à ses besoins. C'est donc... normal, en quelque sorte, c'est le clivage. Que met en place la machine pour prendre possession d'elle. Et oui, comme il n'y a aucun sentiment, il y a de la froideur. Et, Okay. C'est la machine en fait qui se sert d'elle pour la mettre sur sa propre fréquence à elle, pour pouvoir l'absorber et la copier plus facilement. Jusqu'à ce qu'elle devienne une machine et qu'il la phagocyte complètement, quoi. C'est ça. Enfin, tel était le projet. C'est ça. Ok, mais il n'y a plus. Non, tu sais, c'est comme cette intelligence artificielle établie comme des sortes de séparateurs, en fait. Ça vient vraiment séparer le mental de l'intuition. Du corps émotionnel. Ouais. Voilà. Et comme des plaques métalliques, en fait. Et tout ce qui n'intéresse pas la machine... C'est écrasé, mis de côté, désactivé. D'accord. Bon, ça, c'était avant. Tout est en ordre présent? Oui, tout est équilibré. Ok. Donc, Il n'y a plus ces séparateurs, là, ces plaques métalliques qui viennent nous couper, séparer. Ça, il n'y est plus, ça. Ok. Donc, manque de discernement, donc des colères qu'elle ressentait en... Regarde. C'est normal puisqu'elle était coupée d'elle-même et elle avait quand même ce ressenti, cette intuition d'être coupée, et donc c'est comme c'est une colère de réaction, de frustration, de colère de ne pas comment dire, d'être cantonnée dans un coin d'elle-même, de se sentir impuissante. C'est ça. Et là, en l'occurrence, d'être cantonné dans son mental sans avoir accès au reste. Est-ce qu'il reste une émotion de colère dans son corps? Regarde, dans son corps émotionnel ou quelque part dans ses cellules. Est-ce qu'il en reste des traces, mémoires ou empreintes, souvenirs? Il y a les mémoires de ce qu'elle a vécu. Ok, alors on élimine tous. Tout avec les traces et les empreintes. 1, 2, 3. C'est parti. Est-ce qu'il y a des mémoires de traumatisme quelque part? Oui. Elles sont où? Ça fait comme des hématomes. Ok. C'est dispersé un peu partout.
Alors on élimine avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. Tout s'est dissous, c'est effacé, il n'y a plus rien. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient encore présentes? Non, là c'est libre. Regarde son corps mental, est-ce qu'il y a des programmations, des pensées, des opinions, des croyances, des convictions, des conclusions? Tout a sauté. Bien. Ok, alors elle va se programmer elle-même. Elle va installer, guider la pensée, la conviction qu'elle est souveraine, qu'elle est une puissance créatrice, qu'elle est libre et autonome. Oui. Qu'elle prend plaisir à la vie. Que maintenant elle peut libérer sa joie, sa pétillance, son énergie de vie. Elle peut frétiller sur tous les plans. Mais elle se ressent légère et pétillante, là. Voilà. Elle retrouve toutes ses racines, delphinoises. Et tout se réactive en elle. Elle a tous les souvenirs. Et d'ailleurs, tu l'as fait se connecter à ces fameux dauphins énergétiques. Ces dauphins donc, de Sirius. Fais-la se reconnecter à lui pour que tout se réactive en elle, que ses mémoires puissent se réactiver, se rafraîchir et se reprogrammer. Ça la connecte à cette sorte de pétillement léger et à ses couleurs. Iridescente, etc. Mm-hmm. Bon, ça doit faire une différence. Oui, c'est très agréable en fait. C'est comme si elle changeait de. Elle change de plan en fait. Et c'est bon. Donc je veux qu'elle programme tout ça également sur son corps émotionnel. Que ce soit. Qu'elle ressente les émotions et des émotions et les sentiments liés à ce nouvel état. Oui, c'est comme si elle se déployait. Et elle transmet ça à sa cellule mère qui va transmettre à toutes les cellules de son corps pour que ce soit une sensation profonde, ancrée, une conviction inaliénable. Et une puissance tranquille, joyeuse, pétillante, frétillante. Ah elle oui, le ressent bon. Dans tout son corps. Mmh. Ok. Bon, bah, c'est bête pour l'intelligence artificielle, hein. Il n'y a plus de porte. Hein. Ah non, c'est... Il n'y a plus aucun accès, en fait. C'est plus possible. Non. Très bien. Ok. Donc, le fait qu'elle... qu'elle se sentait, qu'elle disait qu'elle se préoccupe des autres et que il n'y avait pas des autres avant elle. Bon, ben, c'est des conséquences de ces séparations. C'est comme si elle considérait que elle peut plus rien faire pour elle et elle va s'investir chez les autres parce que pour elle, il y a plus rien à faire. D'accord. Bon. Il y avait. Avec le secret espoir derrière de trouver aussi des solutions ailleurs qu'elle aurait pu s'appliquer à elle-même. Ok. Donc, l'impression de ne pas être entendue. Non, puisqu'elle était devenue presque inexistante. Elle se ressentait de cette façon-là, en tout cas, puisque la place était prise par cette chose-là d'artificiel. Eh oui, cette intelligence artificielle. Mmh. Ok. Donc, dans sa relation aux hommes, aujourd'hui, donc, bah, comme elle dit, c'est à zéro. Ben oui, parce qu'elle avait coupé, enfermé son féminin sacré. Oui. Donc maintenant, tout est ouvert, tout est libre, équilibré. Oui. Elle est ouverte à toute aventure. Oui. Bien.
Alors, bah pareil pour ses parents dont elle a le sentiment qu'ils ne s'intéressent pas à elle et à ses enfants. Quelle information tu as par rapport à ça? Est-ce que c'est son propre sentiment ou est-ce que c'est la réalité? C'est lié à sa situation énergétique. C'est comme s'il y avait quelque chose de vide, d'inexistant au niveau de la relation émotionnelle. Mais elle, elle a l'impression que ça vient des autres, alors que en fait, Ça c'est vient ça, d'elle. ça vient d'elle. Mais c'est sa situation énergétique à elle, celle dans laquelle elle était, qui générait ce type de relationnel, basé uniquement sur quelque chose d'inerte dans les relations. Oui, c'est ça. Pas d'échange et donc ça devient inintéressant. Ça devient inintéressant et mécanique. Ouais. Ok, fais venir ses parents. Tu fais venir ses parents et tu fais venir ses deux enfants, son garçon et sa fille. Oui. Montre-leur le travail que Sybille est en train de faire. Tu sais, il y a le papa des enfants qui arrive aussi. Ah bah écoute, il est invité, hein. Bien sûr. Alors tu leur montres le travail qu'elle fait. Oui. Demande-leur s'ils sont tous intéressés pour faire la même chose pour eux-mêmes. Est-ce que ça les inspire? Les enfants vibrent différemment des adultes. Oui. Ils sont pas affectés de la même façon. Mais je suppose qu'ils ont quand même besoin de nettoyage. Oui. Bon. Mais c'est comme s'ils étaient plus vivants. Plus libre. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'ils sont tous d'accord malgré tout pour faire le travail sur eux-mêmes? Oui. Son ex-mari aussi? Oui, parce qu'il y a cette souffrance en arrière-plan. Et plus il y a de souffrance, plus il y a cette coupure qui se fait au niveau de Relationnel. l'émotion et de relationnel, oui. Très bien. Ok. Alors, les parents aussi, ils sont intéressés? Ils vont le faire aussi? Oui, parce que ce mécanisme-là, il est chez eux aussi. Très bien. Alors, tu leur proposes à tous de se connecter à leur essence, de créer les racines juste pour cette existence, de travailler sur l'arbre généalogique et sur leur ADN. Et pour le reste du travail, il s'inspire de ce qui a été fait jusqu'à présent et de ce qui va être fait. Adapter bien sûr chacun à sa situation. Ils sont tous Oui, d'accord? oui. Et nous les retrouvons tous à la fin de la séance. Oui. Ok, et nous on continue. Alors donc, qu'est-ce qui fait que dans sa relation à ses parents, elle sent que ses parents veulent la soumettre, ils exercent une autorité sur elle. Est-ce que c'est son propre ressenti ou est-ce que c'est vraiment l'attitude qu'ils ont? Ils essayent de garder le contrôle. Il y a une incompréhension. C'est comme s'ils avaient le sentiment d'avoir mis au monde un extraterrestre. Je veux dire par là qu'ils ne la comprennent pas. Il y a un mur d'incompréhension avec des fonctionnements différents. Et ça crée. C'est toujours dans l'objectif de ne pas souffrir qu'il y a ce type de relation Ils entre se elle et ses protègent, parents. quoi. Oui, c'est ça. D'accord. C'est pour se protéger, quoi. Donc, du coup, ils exercent une autorité, c'est ça, pour essayer de la cadrer, de la contrôler, ou c'est quoi C'est ça. l'objectif? C'est ça. Quelque chose que tu ne comprends pas, tu essayes d'en prendre le contrôle pour l'isoler. Le contrôler et que ça ne t'affecte pas dans ton propre fonctionnement. D'accord.
Ok. Chose qui maintenant ne sera plus nécessaire. Là, il y a des compréhensions qui se font et des portes qui s'ouvrent. Ok. Alors, autre chose. Maintenant, elle retrouve donc la même chose au travail, donc hein, dans son activité professionnelle, où elle se sent dans la même chose, hein, soumise à une autorité, contrôlée, menacée. Qu'est-ce qui fait que ça se reproduit là-bas? Là, c'est différent. Tout est séparé, métallique, sous contrôle de l'intelligence artificielle. C'est comme si chaque être humain qui travaillait dans ce milieu-là est sous cloche, en fait, individuellement isolés les uns des autres, sous contrôle. Et chacun affecté de façon, ou même infecté en fait, par cette intelligence artificielle, de façon plus ou moins profonde, suivant la nature de chacun et sa capacité de résistance. Ok, Ça donc plus ou crée moins. quelque chose de sombre et de menaçant, d'anxiogène. Et même les humains n'osent pas. Ils sont comme isolés les uns des autres. C'est comme s'ils osaient. Il y a de la peur qui règne. C'est comme s'ils n'osaient pas communiquer les uns avec les autres. Et que même au niveau de la hiérarchie, la pression exercée par la hiérarchie, c'est sous-tendue par la peur. C'est-à-dire que chacun ouvre le parapluie à son niveau, en quelque sorte. Tout le monde a peur. Et certains sont plus robotisés que d'autres, non, par cette intelligence. Exact, oui. Certains sont plus infectés que d'autres. Et donc Oui. ça crée des relations sans sentiment et Les relations sont sans bienveillance. totalement dénaturées, les relations. C'est comme des machines entre elles qui cherchent à prendre le pouvoir les unes sur les autres. Très bien. Alors je veux que tu vois ces billes maintenant, dans cette nouvelle énergie, à la fin de ce travail, comment tu la vois maintenant en relation avec ce contexte? Il y a ce matelas fréquentiel entre elle et cet environnement et les autres humains. Elle n'est pas sur le même plan. Je vois qu'ils sont tous et toutes les humains plombés en quelque sorte. Et elle flotte sans en être affectée. Très bien, mais comment vont-ils réagir dans ce contexte alors? Ils comprennent pas ce qui se passe. On ne peut plus la toucher, on ne peut plus la blesser. Oui. Alors est-ce qu'il faut qu'elles s'attendent à des réactions de leur part? Peu Ou importe en de fait. l'indifférence. Peu importe, elle est comme détachée. C'est comme Ça ne la touche si. plus. Non. Son. Comment dire? Il y a une. Tu sais, tu. De ce qu'on appelle la loi d'attraction, en fait, tu Oui. sais. Où en fait, il y a une attirance qui se fait entre les humains qui sont sur la même fréquence. Ah ben voilà. Donc elle va attirer des personnes comme elle. C'est ça. Et Mais ça les se autres vont fait. s'éloigner. C'est ça, mais ça se fait na naturellement en quelque Oui, sorte. loi d'attraction, quoi. Très bien. Bon, ok. Donc elle est très affectée du fait que ses enfants soient chez leur père depuis 2 ans. Donc regarde maintenant dans cette nouvelle ligne de temps comment les choses vont se passer. Est-ce que la situation va changer ou est-ce qu'elle va plutôt ressentir des choses différemment? Avec une nouvelle vision des choses.
Il y a une mémoire là qui a été réactivée. Mémoire de quoi? D'arrachement. D'arrachement de la chair de sa chair. Ça s'est réactivé déjà depuis plusieurs vies et de plus en plus fort. Parce que c'est comme si elle avait appris à s'adapter. Et donc à chaque fois, c'est de plus en plus fort pour que ça résonne de plus en plus chez elle. Donc elle doit lâcher en fait avec ça. Donc là, c'est toi, ils ont enfoncé le clou, quoi. C'est ça. Ça fait comme une grosse boule à densité très lourde. Et ça, il faut qu'elle le lâche, ça. Ok. On regarde dans le futur maintenant, comment, avec dans cette nouvelle ligne de temps, avec sa nouvelle vision, son nouveau ressenti, comment tu la vois maintenant en relation avec ça, avec cette situation. Déjà, je vois cette grosse boule à densité très lourde qui se détache d'elle, qui se dissout. Elle est toujours là? Ici et maintenant? Non, elle n'y est plus là. Alors pourquoi tu dis que dans la nouvelle ligne de temps, tu la vois se dissoudre? Parce que tu m'as demandé de revenir en arrière. Non, je t'ai dit dans la nouvelle ligne de temps, dans le futur. Je veux que tu vois comment ça se passe maintenant. Dans cette nouvelle ligne de temps, dans ces nouvelles conditions et ce nouveau regard. En relation avec la situation, les enfants, son ex, etc. En fait, il y a une sérénité qui se met en place. Parce qu'il n'y a pas de demande. Elle attend rien. Donc, ce qui vient, c'est cadeau. Et quand rien ne vient, c'est l'équilibre. Et c'est calme. Très bien. Donc elle est dans un bonheur naturel sans condition. C'est ça. Ok, tout lui va. Oui. Ok. Bon. Eh bien, alors son fils qui a de l'eczéma, regarde d'où vient. Non, ouais, d'où lui vient cet eczéma. Connecte-toi sur lui. Regarde d'où origine cet eczéma. Il est réactivé encore et encore. Oui. C'est l'enfant qui lui avait été arraché lors de la première... quand son cœur a été déchiré, tu sais. C'était lui? Oui. Ils sont comme utilisés en miroir l'un de l'autre. Chacun fait souffrir l'autre, c'est ça? Ou t'en souffres avec ça. L'autre? C'est ça. Ils sont utilisés l'un et l'autre comme... pour faire une réaction. Activateur. Bon, ça c'était avant, maintenant c'est terminé. Il est en train de faire le travail là. Il est en train de se débarrasser justement de cet aspect d'eczéma, de tout ce qui oui, le touche. Parce qu'il y a des compréhensions en fait qui se mettent en place chez lui, qui arrivent. Et ça se calme. Ça s'estompe, ça s'efface. Est-ce qu'il est en train de se démarrer, de se débarrasser des mémoires de souffrance, des traumatismes? Oui, ça s'éloigne de lui. Il a besoin d'un coup de main? Ben, ça se fait tout seul, mais il ne faut pas aller trop vite, parce que si tu vas trop vite, en fait, ça s'arrache, et l'arrachement, ça va faire des cicatrices. Ben, qu'il fasse à son rythme, c'est bien. Là ça s'estompe, mais doucement, tu sais. Et en même temps que les traces physiques s'estompent, c'est ces mémoires qui s'estompent, la douleur qui s'estompe, les traumatismes qui s'effacent. Bien. Ça se fait comme, tu sais, au cinéma, quand tu vois une image au ralenti. C'est pareil. Tout en douceur. Bien. Ok. Alors, on laisse continuer. Je continue sur ces points. Donc, elle s'est sentie souvent trahie par des amis. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce que c'est simplement
son interprétation? Est-ce que c'est la réalité? Et si oui, de quoi est-ce que c'est la conséquence? C'est toujours lié à son état énergétique. En fait, les autres humains qui l'entourent ressentent qu'il y a simplement ce côté mental. Donc, on peut faire en quelque sorte ce qu'on veut, puisque de toute façon, elle ne elle ne ressentira ressent rien. rien. Ouais. Ok. Bon, ça c'était avant, maintenant c'est terminé. Le fait que son père, donc le père de ses enfants, pardon, ne l'inclut pas dans les décisions, c'est le même phénomène qu'avec ses parents, c'est ça? Il prend les choses en main. Oui, c'est le même mécanisme. Et avec, je sais pas, il est établi comme plusieurs protections, plusieurs séparations, plusieurs couches en fait de séparation. Il sentait intuitivement que la mère était affectée, c'est ça? C'est ça. Affectée. Hein? Et donc il veut se protéger, protéger les enfants. C'est ça. Ok. Mais ça c'était avant. Oui. Ok. Alors une dernière chose, enfin une dernière, non pas une dernière, mais il y a des autre chose. Il y a des compréhensions qui sont en train de se mettre en place chez lui là. Oui, et puis comme les choses sont, les conditions sont en train de changer, ont déjà changé. Donc ça pourra plus être les mêmes réactivités. Même pour lui-même, par rapport à son fonctionnement, il y a des compréhensions qui sont en train de se faire. Bon, très bien. Donc on peut s'attendre dans le futur à ce que les choses soient pacifiées et harmonisées. Il y a un apaisement. C'est bon. Très bien. Alors, maintenant, elle se demande quelle est sa voie professionnelle. Alors, évidemment, on ne va pas lui dire qu'est-ce qu'elle a à faire, mais par rapport à toutes ces belles qualités qu'elle a, dans quoi est-ce que tu peux la voir être investie dans le futur? Il n'y a pas de réponse concrète, en fait. Ça m'amène simplement à ce que j'ai appelé ce phénomène de loi d'attraction. Il y a des choses qui vont bouger parce que elle va être en contact ou comme en attraction quelque chose en quelque sorte avec des personnes qui vibrent comme elle, qui sont sur le même plan qu'elle. Qui vont l'ouvrir à autre chose. C'est ça. Et puis elle va être guidée et inspirée par ses parties supérieures, je suppose. C'est ça. Et il y aura des synchronicités. C'est ça. Il y a des choses qui vont bouger. Je ne sais pas quand, comment, ni de quelle nature, mais il y a des choses qui se mettent en mouvement, qui bougent. Très bien. Et tout va se faire naturellement, comme une évidence. Et ce qui pourrait peut-être être considéré comme négatif et catastrophique, en fait, sera le passage nécessaire, l'étape nécessaire pour autre chose. Donc, voilà. T'es averti. Ok. Donc là, dans ces conditions, la bonne attitude, c'est d'être confiante. Confiance paisible et légèreté. Légèreté. Et légère. Voilà. Donc si tu vois de quoi elle parle. Bon. Alors, elle se demande qui elle est, ben maintenant elle le sait. Hein. En tout cas, qu'est-ce qu'elle incarne? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'elle porte? Quelle signature elle porte? Il y a comme une sorte d'accélération par rapport à cet objectif-là. Il y a des bouleversements. Ça va entraîner des bouleversements sur le plan physique, au niveau rencontre humaine, activité, etc., bouleversement. Mais pour mieux, en accord, pour du mieux, qui est en accord avec elle-même et à ses objectifs. Voilà. Donc là, l'objectif principal, là, c'est la confiance totale. Hein. Voilà, confiance à ce qui vient, même si ça paraît désagréable, même si ça paraît très catastrophique. Savoir que
Pour qu'une graine puisse pousser, il faut d'abord que tout pourrisse autour. C'est ça, il y a autre chose qui vient. Voilà. Bon, alors, bon, dernier point, elle dit qu'elle n'a plus de rêve, plus de projet, enfin, etc., que sa vie n'a plus de sens, évidemment, puisque c'est l'intelligence artificielle qui prenait la place. Ça ne pouvait pas être autrement. Tu as des choses à rajouter ? Non. Voilà, tout est dit, et je pense que tout est compris. Oui. Et ressenti. Ok, donc c'est la fin de sa liste, on va continuer le processus. Donc, maintenant, on va faire le numéro d'INSEE. On va, partout où il se trouve, donc avec duplication et copier-coller, on coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Toutes les parties de son corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'une autre personne, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Alors je dis tous les plans parce qu'il peut rester de l'ADN dans certains vaisseaux, hein, ça peut arriver, donc tout ça, ça dégage. Avec trace, mémoire, empreinte, donc trace, mémoire, empreinte, duplication et reproduction. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être, de tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, de tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. Couper, désactiver, éliminer. Couper, désactiver. Couper et désactiver et éliminer ce qui peut l'être, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. S'il en reste. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Bon. Alors, à présent, activation du diamant du cœur. Oui. Tu vas y inclure un double d'indice 4 et l'activer. Ah oui, c'est fait. Connexion à la grille magnétique cristalline. Oui. À la grille magnétique originelle. Oui. À la particule adamantine originelle. Ah oui. Au soleil central. C'est fait. Activation de l'implant neutre. Pour atteindre le point zéro. C'est fait, ça la stabilise. Bien. On lui fait le processus de rajeunissement, même si elle n'en a pas besoin. Oui. Allez, activation de la particule divine dans son cœur. Qui oui. Déclenche la fontaine de jouvence. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est activé. Alors je précise, et ça c'est ce qu'on a découvert dans les dernières interrogations que j'ai soumises à Emmanuel, que quand on fait ça, ça réactive aussi la production de la vitamine C, de toutes les vitamines et de tout ce qui permet la régénération, etc. Le corps produit par lui-même tout ce qui nous manque. Donc pour ceux qui se posent la question pour le corona, c'est une des clés. Ce sont tous les éléments en fait vitaux nécessaires à la vie et à sa manifestation en équilibre qui sont produits et activés dans un juste équilibre. Voilà. Très bien. Maintenant, programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celles du rajeunissement et de la régénération. C'est fait. Guérison instantanée. Elle va placer sa conscience dans son espace moronciel. Oui. Elle va faire descendre l'information et l'énergie jusque dans les parties bloquées ou à réparer. Oui, c'est fait. Activation de l'arbre séphirotique. Oui. Et inclusion du double lemnis 4. Activation. Là, ça démarre à toute vitesse, là.
Il faut réguler la puissance, en fait. Oui, alors on installe donc, on va installer un curseur qui va réguler la puissance idéale. C'est bon. Très bien. On va regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois d'ADN éthérique de connecté? De brins d'ADN. Huit. Combien il y en avait avant la séance? C'est comme s'ils étaient en train de mourir les uns après les autres, en fait, avant. Il en restait combien de valides? 3. D'accord. Phagocyté, quoi. Oui. Est-ce qu'elle peut en installer d'autres? Non, là, c'est l'équilibre. Très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour elle maintenant? Ça lui permet de garder cet état fréquentiel dans lequel elle se trouve, qui lui permet de, comme de survoler avec et de traverser avec facilité toutes les situations et qui lui permet de rester en connexion avec elle-même. Très bien. Dis-moi combien de temps il va falloir pour intégrer cette séance à 100%. Quelle fourchette de temps qui va varier bien sûr en fonction de son attitude. Entre 6 et 8 mois. Ok. Est-ce que tu vois des effets qui vont être immédiats? Oui, ça bouge déjà là tout de suite. Très bien. Ok. Donc, j'aimerais qu'on revienne dans le comment attends, excuse-moi, dans la régénération et le rajeunissement. Je veux qu'elle installe le programme pour être permanent et qu'il soit régulé en harmonie pour toutes les productions de régénération et le rajeunissement. Ah oui, c'est stabilise. Voilà. Ça Qu'elle soit garde pas. intacte cette programmation, même s'il y a des fluctuations dans la métabolisation. Très bien. Que ça ne reste pas juste ponctuel pour la séance. Alors je vais me le rajouter. Seulement 2 minutes. Donc, programme de permanence. Équilibrage. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va aller voir son domicile. Tu vas me dire comment tu vois son domicile. Qu'est-ce que tu y vois? C'est comme si il y avait des séparations, une sorte de labyrinthe métallique en fait. Ok. Évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Oui. De la même façon qu'il séparait tout à l'intérieur d'elle, tout est séparé C'est ça. dans son espace. Hein? Ok. Donc on élimine tout, on fait une grosse tornade. Et tout est éliminé avec traces, mémoire et empreintes, système de reproduction et duplicatif. 1, 2, 3. Parfait. Et la tornade nettoie tout et assainit tout, purifie tout. C'est bon. Très bien. Il ne reste plus rien? Non, c'est libre. Bien. Est-ce que son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, tout est fluide. Non, pas que je perçoive là. Très bien. Alors, elle installe dans son domicile fleur de vie, plaque de Tesla, graine de vie et double lémniscate activée. C'est fait. Sur le contour général, elle installe
C'est un compteur Linky ou pas? Oui ou non? Non. Donc sur le compteur général, elle installe une croix diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Sur le diamant, tu poses une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. C'est fait. Sur le plafond, un gros boîtier qui filtre l'air, y compris nanotechnologie, qui produit l'effet Niagara par ailleurs, et en même temps qui diffuse un parfum et un son qui varient en fonction des situations et des besoins. Oh, tu sais ce que ça sent? Ça sent les fleurs de tiare. C'est une dinguerie. Ça sent bon. Et le son, les 12 alizés. C'est le vent, en fait. Mais c'est léger. Oui, c'est ça, c'est les alizés. Ah ben voilà. Très bien. Alors maintenant, elle va remplir tout son espace de sa propre énergie. Oui. Elle va tout mettre dans une bulle christique. Oui. Et elle se met elle-même dans une bulle christique. C'est fait. Ses enfants également, hein, s'ils le veulent, tous ceux qui sont là. Oui. Très bien. Bon, alors, on va maintenant procéder à la douche énergétique. On va d'abord redescendre nos fréquences. Avant ça, non, je veux que tu appelles d'abord son soi supérieur, pardon. Et demande-lui ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il est de nouveau en communication. Oui. Parce que là, pour se protéger, il avait coupé. Et là, la communication est rétablie. Très bien. Il a un message, quelque chose à lui dire pendant qu'elle l'écoute? En gardant cet état fréquentiel, ça lui permet de rester en communication avec le moi supérieur et de garder ce canal en sécurité. Et ça lui permet aussi de vivre son incarnation sur le plan physique en toute sérénité et légèreté. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Appelle son âme, regarde comment tu la vois maintenant. Elle s'est déliée, elle s'est lissée, elle est calme. Elle est venue se poser tranquille à ses côtés pour l'accompagner sur ce nouveau chemin de vie qui s'ouvre. Ok. Bon, nous allons les saluer. Ils vont continuer maintenant leur chemin dans cette nouvelle ligne de vie, ce nouveau partenariat et dans cette nouvelle version de Sibyl. De notre côté, nous allons redescendre nos fréquences. Oui, c'est bon. Nous réancrer jusqu'au cœur des Gaïa. Oui. Et maintenant, tu veux quoi? Régénération? Oui. Alors, tu actives tout le processus. Tu le connais par cœur maintenant. Ça peut se faire simultanément. Et tu peux ressentir toutes ces énergies, toutes ces activations, te sentir expansé, frétillé, pétillé, vibré. Oui, c'est bon. Pleine d'énergie et prête à soulever des montagnes. Dans une puissance tranquille. Oui. Très bien. Ok. Alors, on va appeler tout le monde pour la douche énergétique. Chacun trouve sa cascade.
Oui. Et chacun est sous cet eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums et de géométrie et d'informations originelles. Bon, je suppose que le parfum, c'est le même. Hein. Oui. Le parfum d'Evainé. Ok. Alors, chacun est sous sa cascade, sous cette eau de très haute fréquence. Oui. Et peut ressentir toute cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. Et prendre du plaisir. Le ressentir pleinement. Ah oui, c'est bon. Dans la cellule mère de chacun, on place une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Ah oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Ah oui. Chacun va retourner à présent à sa place en fermant le portail derrière soi. Ah oui, c'est bon. Est-ce que tu es prête pour le retour? Ah oui. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment te sens-tu? Bien, Après très ces bien. émotions fortes du début, c'était puissant, dis donc, hein? Oui. Hein? Une espèce de tristesse profonde, là, c'était touchant, hein? Il te reste plus rien, ça va? Non, tout Bon, très bien. s'est Ça n'a jamais évaporé. existé. Non. Ok. Bon, à nous, Sybille, si tu veux bien remettre le son. Voilà, je suis là. Alors. J'ai failli couper au début parce que c'était trop lourd à entendre. Et puis quand j'ai vu Emmanuel aussi, qui était complètement bouleversé, moi, ça m'a... Enfin, à un moment donné, j'ai failli couper, arrêter la Ah, séance parce que... et j'ai bien vu que t'as pas mal pleuré, même, hein. En plus, voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et en tout cas, je voulais vous remercier tous les deux, Pascal et Emmanuel, pour le travail que vous avez fait sur moi. Et puis, alors là, je me sens un peu toute neuve, hein, mais je ne sais pas trop quoi faire de tout ça. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir été nettoyée de tout ça. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle vie, enfin, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à moi. Je suis quand même contente, je suis ravie. Quand même contente. Ah bon, quand Ah même. oui, non, non, mais super, super contente, super Ah bon. contente. Non, mais quand même contente parce que, je veux dire, quand on voit tout ce qu'il y a à faire, je me dis, mais comment vous allez pouvoir faire tout ça, quoi, pouvoir nettoyer tout ça et effacer tout ça. Et puis, donc, Oui, je me je dis... sentais au début, je sentais ta désespérance, hein. Ouais, quand même, ouais. Oui, Hein? quand même. Tiens. Donc voilà, je suis toute neuve et puis donc Voilà. ça fait du bien. Alors, sache une chose, et sache une chose, c'est que bon, tu vas être dans un état où tu as quitté l'ancien et tu ne seras pas encore dans le nouveau. Tu vois, cet état de nomadland où tu risques de te sentir inconfortable, perte de repères, flottante, etc. Hein, c'est là où il va falloir te rappeler que c'est un état normal, ne pas t'affoler. Donc tu vis le moment, tu l'acceptes, tu l'accueilles, tu acceptes que les repères ne soient plus là, que tu ne te sens plus ce que tu étais et pas encore ce que tu dois être. Et ça peut être très très inconfortable. Là, il faut vraiment que tu restes en paix. D'accord. D'accord? Tu t'en Et que souviens j'ai pas? confiance. Confiance et Confiance en toi. légèreté. Même s'il y a des douleurs, s'il y a des... Bon, accepte tout, accueille tout et prends-y même comme une bénédiction. Sois dans une énergie de gratitude envers toi-même. Hein, et puis voilà, ça facilitera. C'est ce qui va faire que le temps d'intégration peut se raccourcir, tu vois. Oui, j'ai bien compris. Bon, et ben j'espère que nous aurons des nouvelles, en tout cas, hein, Oui, bah je vous en donnerai, bien sûr. dès que ce sera possible, par mail ou SMS. Hein. Avec plaisir, Et puis oui. donc, je te repose la question quand même, est-ce que tu acceptes que la vidéo soit publiée? Oui. Ah, génial! C'est vrai qu'il y a énormément d'informations, surtout cette intelligence artificielle, ça touche énormément de monde. Et c'est important que les gens sachent, non pas pour me donner du travail, parce que j'ai ce qu'il faut, mais qu'ils sachent que ben, c'est là, ça existe et que c'est vraiment une nuisance qui met vraiment en péril notre humanité, quoi.
faut en être conscient. De vitalité aussi. Alors que j'essaie de. Alors je sais pas si je devais le sentir, mais c'est vrai que les ordinateurs. Bon, je suis toute la journée sur l'ordinateur, travaillant dans un bureau et dans une banque. Forcément, je suis connectée, mais le soir chez moi, je me connectais pas. Alors peut-être que je sentais déjà on me pompait, quoi. Donc j'essayais de me protéger dans une certaine mesure, quoi, déjà. Mais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi... Tu étais déjà parasité, phagocyté de toute manière. Ouais. Hein. Donc voilà. Bon, maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, tu peux aller sur l'ordi. Hein. Okay, tu peux quand même t'imaginer dans une bulle de protection. Hein. Tu peux imaginer tout ça. Ça peut réactiver ou en tout cas... C'est bien de le conscientiser, on va dire. Ça renforce. Ok. Merci pour ta permission. Ça me réjouit. Merci infiniment. Parce que c'était mal barré au début. Oui. C'est vrai. Non, mais... voilà. Bon, tu veux te flouter ? C'est terrible. On te floute ? Oui, vous pouvez me flouter, puisque c'est pas mon vrai prénom. Vous pouvez me flouter aussi. Comme je pleurais, vous pouvez me flouter. Non, mais c'est déjà mieux que rien. Ah, mais les gens adorent voir les visages. Hein. Ils adorent voir les expressions, voir comment... Ah oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, je vais être floutée. C'est déjà mieux que rien. Ok, merci à toi, Sybille. Merci à Emmanuel. Bonne continuation à vous. Et puis, puis continuez votre travail parce que c'est fabuleux. Au revoir. À bientôt. Merci à toi. Au revoir, Pascal. Au revoir, Emmanuel. Un grand merci encore. Au revoir.